La bienvenue. Alors, quelques mots pour vous expliquer ce château qui se targue d'avoir les toits les plus hauts de France. Pour vous en donner une idée, on n'a pas un seul vrai étage, mais 52 niveaux différents. On part d'un château construit en 1200 pour arriver au 19e siècle à travers 9 familles qui ont tout un lien de descendance les unes par rapport aux autres, sans que jamais la seigneurie ni le château n'ait été vendu. Et c'est un château qui témoigne d'un art français multiple à travers les différents styles d'architecture, à travers la peinture, à travers le mobilier. Un lieu chargé d'histoire qui avait été remanié par les différentes familles qui l'ont occupé. Et puis, ce qui est passionnant, c'est de le visiter avec M. Dorian-Janson, qui connaît admirablement son histoire. C'est vraiment un lieu que je connais depuis des années et des années, mais que j'ai découvert aujourd'hui sous un autre jour. Oh, mais il y a une histoire qu'il faut que je vous raconte ici, j'allais l'oublier.